On attend que ça se lance tranquillou sur sur Twitch. Très long. On attend, fait ça, fait ça. Alors, un peu désolé si je fais un peu de bruit. J'essaye de régler au mieux. Alors, quand tu veux Twitch, hein? My friend, it's when you want. Régler au mieux. Clapet. Et donc où est-ce que je peux voir s'il y a des gens ou quoi? Ici. Alors, il n'y a pas moyen de passer la pub en plus. C'est bien, on s'en fout de la pub pour une série sur une chaîne de télé. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de voir le nombre de personnes qui regardent actuellement la vidéo? Moi je peux pas voir. C'est étonnant, tiens. De toute façon, il n'est pas encore tout à fait l'heure. On attend un petit peu. Tranquillou. On se prépare. Alors. Est-ce que par hasard? Non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de que je puisse voir en plus grand que cette chose ignoble? J'arrive pas à voir si du coup il y a des gens qui regardent. C'est super. Deux spectateurs. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, on va commencer d'ici 4-5 minutes, peut-être avec un petit peu de retard, on verra tout ça. Je mets la musique un peu du jeu. Que par hasard, si je lève la main droite, c'est la droite qui arrive. Oui, c'est bon. Que ça me perturbe pas non plus. Il y a eu quelques modifications contre la télé. C'est plutôt cool d'avoir fait.
faire un peu de pub. Pourtant, je pensais avoir fait suffisamment de pubs sur Facebook. Bon. Alors, vu qu'on a. Alors, pour l'instant, il y a quoi? Donc, après, dans le cas, je vais attendre les autres pour faire préciser la version de la boutique pour la façon d'Ox. En fait, tout ma boue à la façon d'Ox, tout le monde passe par le style de jeu de Wint qui est spécifique pour Wint. Tout simplement. Et derrière ça, ben, du coup, j'ai eu quelques cartes, le deck de démarrage, et là j'ai modifié, j'ai ajouté une carte et j'en ai retiré une pour enfin j'en ai compensé. Malgré qu'il n'y ait qu'une seule personne sur le jeu, donc ça me compte moi, ce qui serait dommage. Voilà. Tu vas mourir, vermisseau. Si le micro était bien. Ouais, c'était bon. Alors, donc la première phase, on a je sais plus combien de cartes et on peut en renvoyer tout ça. Qu'est-ce que je vais renvoyer? Pour le moment,
c'est GG. Mais tiens, allez, je suis gentil. Dommage que je sois trop occupé. Moi, c'est cool, c'est pas grave, c'est cartes. Et derrière, du coup, en musique, vous pouvez régler, vous mettre la musique des Avengers 3. Vous mettez la musique des Avengers 3. Jour de votre mort. Il est pas fou en plus. Vous autres Nordiens, vous ne connaissez pas la discipline. As you wish. Oh putain, ça c'est un truc qui est super chiant dans la majorité des jeux, c'est que t'as toujours le mec qui va qui va mourir, vermisseau. Est-ce que je lui laisse la main? Pour deux ça me ferait mal. La manche, hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, va falloir essayer de revenir. Ça va pas. Putain, il reste la résine. Sans déconner, je suis un peu. Oh. Putain, faut que je joue tout seul avec la résine. Allez, vas-y. Oh putain, même pas foutu d'avoir ce putain de truc. Non, mais... Bonjour, c'est à quel sujet? Le Nord courbera la Chine et implorera ma pitié.
c'est terminé pour moi. C'est bon, là, c'est... Ça va être... Même en balançant tout ce que j'ai... Allez, finissons-en. Ta vie m'appartient maintenant. Ouais, on va en enlever un peu. On en a trop. Hein. C'est game Narcouven. Je peux rien faire. Difficilement faire mieux, donc allez, bon, bah c'est fini pour moi. Merci. Du coup, ouais, Vayu, je vais. La témérie. Je sais pas si on entend. Après, je veux pas virer non plus complètement le son du jeu. Ça va du coup là au niveau du son du jeu. Ok, d'accord. Ah, j'ai essayé pourtant de monter le son du micro tout à l'heure, mais je suis un peu pris dans la gueule, c'est pas facile. Du coup, on va avancer. Ouais, c'est ce que j'ai fait cet après-midi, mais pourtant j'ai pas compris. Bon, après, c'est du matos tout neuf, donc j'ai pas encore l'habitude de ce micro-là, donc. Que je rebalance. Les dernières paroles. Ah, et puis j'ai mis à fond sur OBS. La sonnerie de la charge. Ça, on va essayer d'augmenter un maximum la puissance de nos guitares. Bonjour, c'est à quel sujet ? Voilà. Voilà, plus il reste dans notre main, plus on monte plus on regarde de cartes dans la main adverse et plus les guitares vont monter de puissance, et ça c'est cool. C'est le jour de votre mort. Hop. Bonjour, c'est à quel sujet ? Bon, après j'ai pas grand chose à raconter non plus. Hein. Puis je commence à peine le jeu, donc je vais pas pouvoir énormément commenter.
Je l'ai essayé juste un peu ce matin, un peu cet après-midi. Pas grand chose, 3-4 parties. Puis des tutos. On va utiliser. Il n'y a qu'un châtiment pour les traîtres. Comme ça on booste bien. À votre service. Faire Vatier pour montrer quelques cartes et augmenter la puissance. Avec ça, je lui enlèverai son. Sa manticore, mais. Je sais pas si c'est bon. Sachant que là, je suis à 7, qu'il est à 7 aussi. Qu'il a pas besoin de. Ah, je veux dire sa manticore. Ça revient à égalité, tant pis. On verra ce qu'il va jouer après. J'aime pas ces cartes météo là en face, ça, j'aime pas ça. Non, je suis vraiment pas fan. On va en ordre. Stratégiquement, c'est vachement intéressant. Après ça dépend du deck qu'on monte, mais là vu que je joue qu'avec des decks de démarrage, enfin le Nilfgaard est à peine modifié, c'est chaud quoi. J'ai pas suffisamment de cartes encore pour pouvoir faire des vrais decks. Puis vu qu'on est en bêta fermée, j'ai peur qu'après de toute façon ils vont tout réinitialiser à zéro je pense. Après on aura peut-être un petit avantage, et encore, tant que bêta testeur. Ested, il s'est créé à ça. Qu'est-ce que j'ai mis à ça? Un joueur de la bêta. Plutôt que 23, ça me merde. De toute façon, il ne servira plus à rien. Eric Gloire! Vu que j'ai pas d'autres espions en main. Alors. Ah, et puis il a que des trucs presque qui sont pas touchés par le brouillard, donc lui il en a pas grand chose à faire. On va faire le beau temps, allez. Hop. Je déclare qu'il fasse beau. Au passage, ça me permet de virer tous ces mechas. Enfin, non, c'était pas les mechas, c'était les. Ah merde. Les brûlements, je crois. Ouais, c'est drôle. Ça pour reprendre légèrement l'avantage. Bah écoute, on va. On lui laisse. J'aime pas ça, mais. Trace. Allez. J'aime pas ça, mais bon, tant pis. On lui laisse. J'ai pas pu. Non. J'ai pas pu suffisamment longtemps qu'elle boulait quoi. C'est un peu la dèche. Hop là voilà, il est content, il a eu sa manche. On va voir ce que donne la deuxième manche. Ouais.
voir si on peut récupérer un alchimiste. Ah putain. Dommage. Du coup, c'est lui qui joue. Mais j'aime pas les monstres, ils ont un sacré avantage avec la faction. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui suis lent à jouer. Mais bon, ça va, lui, il s'en va. C'est le jour de votre mort. On va jouer tout est en place. On va lui montrer Fantassin. Et hop, comme ça nous permet de voir toutes ces cartes et d'augmenter nos guetteurs. On a deux guetteurs qui sont plutôt bons là du coup. Ça fait plaisir. Pour l'instant, il sait que j'ai 8 et que je peux lui donner 2. Donc, il se dit qu'il a pas trop de soucis à se faire. Rare chase in pay. Surtout que vu ce qu'il a en main, enfin la dernière carte on voit pas, mais bon, il a quand même déjà 12 de score. Sachant qu'il peut me retirer 3 et que l'autre elle a. Puis il faudrait pas que je place de trucs dans la ligne de siège. Du coup on en place un pour gagner le match, on est obligé. On est obligé, hop. Et j'espère qu'on va tirer un alchimiste, ça serait tellement bon. Mais si ça nous permettait de jouer l'alchimiste, ce serait cool. Du coup, l'émissaire, on va le renvoyer. Et ça va nous permettre d'aller chercher un truc dans le cimetière adverse. C'est pas mal. On va jouer ça du coup. Aegroto dum anima est, spes est. On va les taper, alors pas un gobelin. Donc j'ai pas de. On va mettre ça si on peut. Top. Voilà. Comme ça passe bien. On se met bien comme ça. On joue que des petites cartes finalement et ça égale. On arrive un petit peu à. Ça va être difficile, il faudra espérer que. Le point du jour nous permette avec le ralliement, le rassemblement, d'avoir un alchimiste. Allez, on croise les doigts. Et porte étendard. Anvalnen Orde! Tant pis. Où ça va être coton. Vu que je sais pas ce qu'il a en main là, mais il peut monter à 17. Je monte à 24. Il y a forte chance qu'il puisse me battre là-dessus. J'étais meilleur cet après-midi, hein. Personne ne s'échappera. Ah, et puis en plus, il peut déplacer avec le 7, là, il peut venir le déplacer chez lui, celui-là, donc... Valum. Il peut plus rien faire maintenant, ça advienne que pourra. Sachant qu'il monte déjà à 22, bah il monte en fait à 23 et je passe à 22 quand il joue sa carte là, voilà, c'est fini pour moi. ça la déplace en siège. Situé du côté adverse vers la ligne de ce côté. Ah, j'avais compris de son côté à lui. De toute façon, s'il a une carte qui permet de booster ou quoi, ou que ce soit, voilà, bon bah. Il va booster, je pense que c'est un truc genre tonnerre ou ce genre de truc. Voilà, potion tonnerre, voilà, bap. Merci, au revoir. Moi j'ai que des hirondelles dans mon deck, mais voilà. C'est pas glorieux ce soir.
Yep. Félicité, c'est cool parce que bon, ça lui permet d'avoir quand même un petit bonus en fragments, ce genre de choses. Voilà, ça nous permet d'avoir un bonus. Là, du coup, c'est des minerais, c'est plutôt cool. Du coup, 45 minerais, c'est plutôt cool. Allez, on y retourne. Peut-être que vous voulez peut-être que je change de deck. Après, vu que je connais pas les autres, c'est vrai que je joue surtout Nilfgaard. Mais ça me réussit pas ce soir, faut croire. Estead et ses créasa. Ça me réussit pas des masses ce soir. La patience n'est pas une de mes vertus. Alors, j'aurais peut-être Scalige après. Scalige, putain. Un ambassadeur, ouais. Scorpion. Un alchimiste, c'est cool. La vache, on la garde. On va peut-être virer un scorpion sans bien. La maçonnerie de la charme. Et on n'a pas de. On n'a pas, c'est chiant. J'ai réussi à récupérer un guetteur ou pas? Ouais, c'est cool ça. On va commencer, on va regarder ça. Non. La patience n'est pas une de mes vertus. Après, on ira cet appétit. On va jouer la vache après, je pense. La vache, l'alchimiste. Des dernières paroles! Ça, c'est quelqu'un qui a suivi le tuto il y a pas longtemps, je pense. Parce que dans le tuto, ils disent. Il faut jouer vos plus grosses cartes d'abord. C'est pas terrible. Non. Là, ça peut te sortir d'un guépier, mais là, en l'occurrence. Bah, surtout quand tu joues chasse sauvage, c'est pas terrible. Et bah, limite, toute résistance est inutile. Ah, quoi que non, parce que chasse sauvage, ils ont tendance à. Écoute, hein. Allez, garage, finissons-en. Il ne peut pas nous cibler là. Une épidémie. Donner les yeux. Bonjour, c'est à quel sujet ? C'est bien qu'il booste son truc là aussi, ça peut être cool. Ah, cette musique de jeu est tellement bien. Il va me faire virer le chart. Hein. De toute façon, il peut pas virer le général, ou alors il va taper sur l'alchi. Oh, c'est petit ça. C'est petit. Je savais que vous alliez me le demander. On va lui montrer quoi? Notre ambassadeur et le porte-étendard. Hop, ça me permet de voir quasiment toute sa main. La chasse, ouais, ça, il va faire venir sa chasse. Je sais pas s'il a grand plaisir à jouer maintenant. S'il joue ce truc là, il va nous virer 4. Épidémie. Pour jouer le voyant. C'est qu'on a tous les deux une carte à 7. J'ai pas spécialement envie parce que si sa dernière c'est une incinération. On va buter là. Dans la chasse. Allez.
pas le... Sachant qu'il y a 4 qui nous séparent, est-ce que je tente de te laisser passer? Est-ce que si c'est une carte unité, je l'aurai pas dans le film? On peut la limite. Anvalmen Orde! On joue sécure là sur le coup, mais. Je sais pas si j'ai bien fait. Ça, je sais pas ce que c'est cette carte, ça m'énerve en fait. C'est le seul truc que je sais pas si c'est une carte. Si ça avait une carte à plus de 4 de puissance, je l'aurais eu dans le fion quoi. Donc là, je pouvais pas trop me dire ah ouais non je vais y aller. Du coup masse espion. C'est. Je peux les garder. Clairement ça peut jouer. Jouer pour le lol. Franchement, pour le lol, ça peut être fun. C'est à moi, donc oui, j'avais pas vu. À votre service. Stop. Attends, j'ai pas joué le bon. T'es sérieux? C'est gay! Ah, si. Nartouven! Ah putain, fait chier. Moi. Vous autres Nordiens, vous ne connaissez pas la discipline. Ça c'est cool. Je vais essayer de lui faire sauter après, juste après son... son anticorps. Il sait que j'ai son brouillard, il lui sert à rien parce que je vais tout placer devant, en limite. Devant ou alors derrière. Allez, au revoir la Manticore. Ciao à plus Manticore. Là ça va, on a un petit avantage. Le problème c'est que je sais pas ce qu'il aura derrière. On va poser ça là. Varum. On va voir ce que ça donne. Parce que là il est double. Il faudrait que c'est. Alors il veut faire un rassemblement. Hein. C'est ce qui paraît le plus logique. Ce serait débile d'enlever son brouillard qu'il a mis quoi. Mais bon après s'il tombe sur. Il a de la chance encore. Voilà. Maintenant on attend de voir ce qu'il va poser. Sa carte cachée, on sait pas ce que c'est. On attend tout ça avec impatience. Et ça sert pas à grand chose mon copain. Diable Ep Ars. Même si. Ah il double tout, il va passer à 54. Ah non. Est-ce qu'il sait pas aussi? Tu vas mourir, Vermisso. C'est pas censé doubler tout ce qu'il a de son côté? Bon bah... Ok, j'ai rien compris. Normal. Bon ça va, pour le coup, là... Ça a permis de montrer que j'étais pas non plus trop mauvais. Enfin, pas super mauvais, hein. Ça montre qu'il y a des gens qui sont un peu plus mauvais que moi. Voilà. Sans vouloir être méchant. Hop, victoire et performance, et ça me suffit pour passer le level 3. C'est super. Hop. Du coup, fragmentation déverrouillée. Ok, je l'avais pas encore sorti, il fallait attendre d'être au niveau 3 pour l'avoir.
Du coup, c'est dans... Non, c'est la carte collection. Voilà, donc maintenant je peux fragmenter les cartes que j'ai en trop, et du coup je vais le faire. Et du coup ça va permettre de gagner 10 fragments, super. Et je suis à 30 fragments, ce qui me sert strictement à rien. Nilfgaard, est-ce qu'il y a des... Bon, les ors, on les oublie un peu. Mais... Même les argents, en fait. Ah, celle-ci, on peut la fabriquer, le chevalier Nilfgaardien. Non, c'est punaise. Ça révèle une carte de la main de l'adversaire, mais c'est cool, ça. Bon, on va la fabriquer. C'est bourrin, quand même, hein. Voilà, fermez là-dessus. On va aller voir ce qu'on peut remplacer du coup. Le médecin de Bicovarou, je l'ai pas touché, mais bon, en même temps, je l'ai quand même un seul exemplaire. Du coup, le chevalier de Nilfgaardien. Mais c'est bien ça. Top, on va l'ajouter. Alors, c'est une bronze en plus. On peut la mettre. Top. Top. Voilà. Top. Et on va aller essayer un coup en attack, hein, partie libre toujours. Quitte à faire, on va aller. Allez, Skellige. Je connais pas du tout le deck, on verra bien ce qu'il y a dedans au passage. Ça va être la grande découverte, je ne connais absolument pas le style de jeu du deck là. Ça va être la grande découverte. Votre cœur est celui d'un Ankret. Ankret! Face à un autre. Alors. Un point du. Il a peut-être punaise, à chaque fois je fais qu'il est. Great Guerre, double la force de toutes les unités affaiblies. Patrick à 3, ouais. Ajouter 2, ouais, c'est les cartes communes. Quand elle est ressuscitée, on est à 3. Ouais. On va retirer la lacération, on va garder le Baraka et on va en rester là. On va voir ce que ça donne du coup. Même quand il a pas fini, on a le temps limité, c'est cool ça. Ça, on a à peu près tous en même temps, ça permettra un petit peu de voir un peu autre chose. Hop. Attaque. Trop content. Alors, voyons voir. Ce qu'on a. Je vais tenter de jouer. Ah non, mais s'il a du BR et tout comme ça. Hop, on va commencer par un bon vieux Draka. Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. Un bon petit Drakkar, là, comme ça, des familles. Alors, derrière, nous jouons ça. Bon, on va jouer le même. Que le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. 1000 tonneaux de brais brûlants. Allez, t'as perdu ton pari. Faut payer maintenant. M'obligez pas à jouer de la hache.
Qu'ils viennent donc. On fera pleuvoir feu et acier en leur honneur. J'avais mal lu en fait. Oh bordel. Pour Scalige ! Alors bon, tant pis. Alors. Peut-être qu'on a 27. On va y fumer un dracar. Je te promets une mort rapide. Ah, ça a pas suffi, mince. Ah, je pensais que... Ah, oh la vache. Votre cœur est celui d'un Ankret. Il l'avait utilisé aussi. Ah, j'aurais dû le jouer avant de... J'étais con. J'étais con. Bon, après, je connais pas là. Bah là, il va me fumer littéralement. Bah écoute, je te la laisse. Hein. C'est pas comme si je pouvais vraiment faire autre chose. J'aurais dû faire le... Aïe 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 aïe. Joue, joue. Clairement pas mieux. Tu veux quoi? Exactement. Ta carcasse ira à Morrogg. Je régalise un petit peu. Bon, nous servons celle qui est la Vierge, la Mère et la Moire. Que le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. Ah bah ouais. Rassemblement. Maudron Freya est patiente. Mais elle ne tolère pas les affronts. Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. Oh putain, Drixot, pardon. Elle est géniale, cette chanson. Alors, personne n'ose m'affronter ? C'est bon, j'ai perdu. J'ai fait le con tout à l'heure. Ça part. Je pouvais qu'égaliser. Dommage. C'est pas terrible. J'ai fait quoi? J'ai qu'une victoire là, à ce coup. C'est pas terrible, terrible. T'as même pas une manche de gagner sur le coup là, quoi. La misère la plus totale, quoi. Bon, allez, on retente avec Skellige. Parce que c'est des vikings. c'est un peu le truc, quoi. Ah là là. Les yeux étaient un coup...
Ah là là, les cons. Alors, voyons voir. Si j'arrive en mieux, je vais ce coup-ci. C'est pas mal. C'est moi qui commence. Le printemps, c'est ma saison préférée pour... Hop là. Toup, je reviens juste sur le tableau de bord de Twitch. J'ai des potes qui posent des conneries. Enfin, des conneries entre guillemets. Sur Facebook. Je te promets une mort rapide. Il n'y a qu'un châtiment pour les traîtres. Ouais. Je pense qu'il a des guetteurs en main parce que c'est au moins un guetteur en main. C'est pas ton jour de chance. Je m'attendais pas à ça. Mille tonneaux de brais brûlants. On va sauver quelques trucs avant qu'il y ait... Première surface. Okay. Je pense que c'est... Bon, ça fait une manche. On va essayer de faire le tout pour le tout avec les Ankrites, les guerriers Ankrites. Et moi, j'ai pas le droit de choisir. Nous servons celle qui est la Vierge, la Mère et la Moire. Hop, allez. Bonjour, c'est à quel sujet ? Ouais, non, il a forcément des guetteurs. Il jouerait pas, ça lui. Entre l'effet qu'il avait et puis. Je me demande s'il a pas joué une incinération. Il sait que je garde mon. Il sait que j'ai mon incinération en main. Donc à tous les coups il veut pas jouer son guetteur, ses guetteurs tout de suite parce qu'il sait que j'ai mon incinération. Au bout de tout tour d'associer les unités les plus faibles de la. J'aurais peut-être dû taper ici finalement. C'est gay! Not even! Ok, bah écoute. Pour la gloire de Skellige! Pouvoir d'un crite ou quoi? On va voir ce qu'il va nous mettre derrière. Allez, qu'est-ce qu'il va jouer du coup? Qui va nous jouer. Alors, les guetteurs. Je me
m'attendais à ce qu'il soit plus puissant que ça, son guetteur. Franchement. Il y en a peut-être un autre en moi. Ce serait bâtard, mais ce serait... Nous te suivrons jusqu'en enfer. Mais du coup, celui-ci protège les deux autres, c'est pas mal. D'une incinération. De toute façon, si j'utilise une incinération, il flingue aussi son guetteur. Enfin, ses guetteurs. Du coup, moi, je flinguerai mon dracar. Je perdrai 16, mais il perdrait 16 aussi. Puissance normale, le bâtard. Ah, il s'est déconnecté. Oh putain. Oh putain, ça, j'ai horreur de gagner comme ça, putain. Voilà. Même s'il recevra rien. C'est dégueulasse les victoires comme ça, moi je trouve, mais bon. Oh, on est encore à 15 minerais de pouvoir prendre un paquet. Allez, on continue avec les Handcrites. C'est pas mal. Va falloir gérer tout ça et ça sera pas mal, je pense. Handcrites! Oh putain, non. Votre cœur est celui d'un Handcrite. Techniquement, il a pas de... Que le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. Et du coup, la deuxième, que le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. Vu que je l'ai en deux fois, ça aurait été, il m'aurait été utile. Il passe? Sérieusement? Bah écoute, moi je vais juste poser ça, histoire de prendre la victoire. Et au passage, avoir un truc à neuf juste après. La manche la plus dégueulasse que j'ai vue jusqu'à présent. Voilà. Que Freya choisisse le vainqueur. Ouais, c'était comme ça, toi. Ok, d'accord. M'obligez pas à jouer de la hache. Je te promets une mort rapide. Sera assez brave pour affronter les Vildkarl. Pour Bran!
de pas avoir de trucs pour blesser parce que du coup. Allez, tout ensemble! Avengers, rassemblement. Voilà, la punaise. Nous te suivrons jusqu'en enfer. C'est cool. Ah oui, c'est vrai que s'il joue sa capacité de chef... Allez, t'as perdu ton pari. Faut payer maintenant. Pour l'instant, ils sont protégés par le chart. De quoi que ce soit. De toute façon, maintenant, il y a ce truc-là. Enfin, il y avait ce truc-là déjà. Allez, t'as perdu ton pari. Faut payer maintenant. Qui va passer à 16. Alors, personne n'ose m'affronter? Non, mais de toute façon, moi je vais mettre le paquet là sur la branche là et puis il peut pas, de toute façon, il peut pas faire d'incinération. On va faire ça. Ancret! Et là, ça va booster à mort niveau point, mais comme pas possible. Votre cœur est celui d'un Ancret. On va se booster comme des porcs. 77? Comment ça? Non, 114, coco. Ouais, c'était certain, mais bon, il a que deux unités qui vont... Bon, là, avec la... Maudron Freya est patiente, mais elle ne tolère pas les affronts. Ah, je hais les portails. On pourra pas remonter jusqu'à 126. Prosternez-vous devant Maudron Freya. M'obligez pas à jouer de la hache. Mais quand même, là, autant la première manche était dégueulasse, un vieux 7-6, autant là, tu sentais que c'était un peu plus serré et qu'on a chacun mis vraiment la pression à l'autre en vidant toutes ces boules, toutes ces bourses là sur le coup. C'est plutôt cool. Ouais, j'ai une récompense, 15 fragments. Ouais, mais genre, on peut faire des minerais, un peu quoi. On va essayer un autre deck. Scoyatael. Allez, va pour les elfes. Va pour les petits elfes. Tu vas mourir, Vermisso. Mon peuple a beaucoup souffert. J'ai pas vu ce que j'ai touché du coup. Putain, en fait, tout est ajouté 3, nanana. Retirer 3, 1. Denis reste sur le champ de bataille, ça c'est cool. Ajouter 3, nanana, c'est ça vraiment, ouais. Spécial aléatoire. S'arrêter là. Adversaire, allez. On le laisse commencer un coup. Hop là. Petite vache, je peux le faire aussi.
Ah, dans le monstre, ouais, ils ont du brouillard et tout. Tout va bien ? Ah, du coup, merde. Ok, parce que DTL, c'est clairement pas le truc qu'il faut jouer face au monstre, d'accord ? Je lui donne l'avantage, c'est clairement pas ce qu'il fallait faire. Je suis un génie ! Ouais ! Les dernières paroles ? Ouais, d'accord, bon bah... Baratin d'elfe. On va buter la vache comme ça. Ouais. On lui donne ça et. Il a combien de cartes hein? 8. J'en ai 8 aussi. Non, mais je vais lui laisser. Parce que, de toute façon, dans ce qu'il était, ça sera clairement pas fait pour moi. Allez, finissons-en. Tout va bien ? C'est pas bon, c'était l'unité de siège chez les... Ah, c'est à elle que ça confie. Faut que j'apprenne à lire les cartes en fait. L'eau est un poison. Tout va bien ? J'arrive même pas à remonter ça. Mon peuple a beaucoup souffert. Il va passer. Il y a peu de chances que j'arrive à un miracle. Ou alors ça me fait griller toutes les cartes de ma main.
peu du moins deux. C'est pas la joie. Comment tu joues, Coco ? Bien, s'il te plaît. Tout Doin qui entre en terre elfique est puni de mort. Ce que je disais, ça suffit pas en tous les cas. Mais... De toute façon, il y a une misère. Hein. Je prends 8, ça ne fait pas grand chose. On monte à 65. Ouais, ouais, dès que j'aurai fini ma shop. Je suis obligé de tout utiliser quand même. C'est vraiment... Ah, ça finit. Je peux rien faire. Après, merci, au revoir. On va laisser peser. Ciao, à plus. C'est la merde. Ah là là. 5 minutes. J'aurais pas eu. Il m'en aurait fallu qu'une, quoi. C'est dommage. Alors on sait que Escoyatael c'est pourri. On va jouer un peu avec les monstres pour voir. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont jouer Escoyatael. Putain d'écureuil. Et là si je trouve des. S'il faudrait que je trouve des gens. Bonjour, je cherche des gens, il y a quelqu'un? Ah, j'ai cru que j'étais tout seul. Estède, il s'est créé à ça. Bon, après. Tu vas mourir, vermisseau. Techniquement, les brumelins, j'en ai pas besoin parce que... Ils viennent directement avec le brouillard, chose que j'ai déjà en main. Et le restant, on va le garder. Hop. Alors. Tiens, on a eu la même idée. Comme c'est étrange. C'est étrange. Ouais, ça paraît pas trop idiot, puisqu'après, à la fin de la manche, de toute façon, ça sera remplacé par deux trucs. Oui, c'est pas forcément ce que j'aurais fait, mais... Pourquoi pas? Ah, le salaud. Effectivement, s'il avait ça, c'était intelligent. On va jouer le brouillard. De toute façon, on va avoir tous les deux nos brumelins qui vont arriver. Voilà. Qui va me jouer maintenant, je me demande. Et là, j'ai une potion de tonnerre. Ah, c'est pas con ça.
serait bien que j'en gagne une là de manche, histoire de finir un petit peu là. C'est moi ou le stream il saute de temps en temps? Ça n'a pas l'air très puissant, mais a priori il gagne du power à chaque fois que c'est mon tour. Et... Là, il me faudra un vieux balayage, un vieux machin là, qui enlève trop un truc. Dernière parole. Passe-tu ça? Fait chier qu'il est arrêté. Rassemblement. Toute résistance est inutile. Ça devrait être jouable en fonction de ce qu'il a. Les dernières paroles. Égalité. C'est beau, c'est beau. Il y a du beau jeu, moi j'applaudis. Hein. Franchement, j'applaudis, il y a du beau jeu. Égalité. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a égalité? Oh, c'est beau ça. Franchement, franchement, c'est beau. C'est très très rare, mais c'est beau. Allez, je gagne un truc. Ah, 75 minerais, c'est cool ça. Égalité 30. Performance 72. C'est pas mal. Sans déconner, le coût de l'égalité, c'est pas mal. Et du coup, j'ai 555. Du coup, allez, on va se faire un petit tonneau. Pris pour toute bourse et choupe avoir produit
plus Allez, bien. Qu'est-ce qu'on ouvre? C'est parti. Tada! Deux Scoia'tael, un royaume du Nord et un autre. Des communes, une dorée, Triss Mary Cold. Oh la waifu. Oh, clairement, c'est une waifu. Chez waifu, elle est rousse. Et on peut choisir une dernière carte. En l'occurrence, je vais prendre le médecin de Bicobar. Ça, ça me le fera en deux exemplaires. Je pourrais le mettre à aller chercher. Pour le mettre en deuxième exemplaire. Dans le deck. Client, toujours raison. De comment? 2, 3, 4. De Nilfgaard, chose que je ferai plus tard. Je me demandais si j'allais pas vous lancer un autre jeu à la place du. Après, je sais pas, ça fait combien de temps. 1h22, on est là-dessus. Ça me ferait tout reprogrammer. Est-ce que j'ai vraiment le courage de tout reprogrammer? Ou est-ce que je ferai un autre jeu plutôt demain soir? Ouais. On verra ça demain soir, je pense. Demain soir tranquillou. On va continuer un petit peu là sur du Gwent. Voilà. Je vais juste refaire un petit peu de pub là en attendant sur Facebook. Tout ça. Chou. Alors. Sur Twitter. Partager tout ça. Top. Allô. Top. Et ça reparti. Allez. Si j'arrêtais de faire le con avec ma molette, ça ira mieux. Allez, un coup Royaume du Nord, on n'a jamais fait le Royaume du Nord encore. On n'a pas fait. On va voir ce que ça donne. Tout ça. Je sais. Les dernières paroles. En avant, chargez. Il est à peu près là, du coup. Hop. Voilà. Je sais pas si on m'entend beaucoup mieux comme ça. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On va tirer 4, aucune capacité, vulnérable aux effets météo, ajoute 4, aux unités à côté, ouais, 3 à la force de 2 unités situées de l'autre côté, choisis de saigner, non, ça me parle bien. Ça me paraît bien, la position de l'unité blanche se trouve de l'autre côté du chemin de bataille, c'est cool. On peut faire ça avec les strips bleus. Ah, c'est des monstres encore. Again! The monster again and again and again. J'ai l'impression que les gens jouent. Il y a beaucoup de gens qui jouent monstres quand même.
Du coup, c'est quoi que je voulais poser en premier? Les cheveux. Longue vie, blablabla. Mais on est à sec. Abandonne. T'as aucune chance. Vous voulez quoi? Ça, je protège, j'en protège deux ou trois. Si jamais il arrive à l'incinération. Vaut mieux assurer son arrière, ses arrières. Tranquille. Alzo. Il a tué son golem. Si fait tous les deux tours, au terme, maîtrisez l'unité la plus faible sur la ligne avec ses troupes celle-ci et absorber sa force. Oui, mais ça va tuer. Si je fais ça, ça va tuer les deux. Oh oh, les ennuis arrivent. Celles-ci sont toutes protégées par celle-là. Parce qu'on attend que celle-ci va bouffer. Elle va bouffer une des deux là. Mes études sont plus importantes que ça. Long, un petit peu longué à jouer. Je vais essayer s'il a 5 cartes. Je laisse dépenser ses cartes. Hein. S'il veut claquer d'autres cartes, il n'y a pas de souci, sachant que lui, bon, il y en aura une qui restera sur le terrain derrière.
Du moment que c'est pas une des deux là, ça me va. Même les trois là. Ouais, elle fait chier du coup, il m'a... Ah, le bâtard, il m'a bien eu. Et j'ai fait 42, normalement c'est la réponse universelle, j'aurais dû gagner. Ouais. C'est à dire ça qui joue en premier. Rends-toi maintenant, ça m'évitera de perdre mon temps. Alerte, aux armes. Mein Freund, kennen Sie bitte Spiele? Encore 20 secondes à supporter. Il passe comme ça. Maudit non-humain! Serrez les rangs! Jour de votre mort. Préparez-vous. Assez parlé. Boum, ciao à plus. Mais du coup, ça marche plus sur les cartes Horn. Putain, le con, oh non. Oh, la brutie. Oh, la brutie, c'est... sans déconner, non, mais sans blague. Je pense qu'il manque, un chat vocal là-dessus, parce que je pense que... Pas un chat écrit, je pense que... Ah, je hais prévu, les portails. Mais... Voilà, bah, je suis trop con. Esthède, il s'est créé à ça. Ouais, moi je peux plus rien faire, bah... Oh, le con, sans déconner, non mais sans blague. J'avais oublié que la sonnerie de la charge fonctionnait plus sur les cartes or. Oh le con, sans déconner quoi, non mais... Tss.
n'est pas loin du niveau 4. Ah putain la vache, non mais le con quoi, sans déconner. Putain, non mais quel abruti. Bon allez, on repart un coup à Iskelly. On va prendre un coup le bateau, on va piller, et puis ça ira bien. Ah oh là là, punaise. Non mais cette blague quoi, non mais. Le boulet intersidéral quoi, non mais. Comment j'ai pu faire pour oublier ce détail que la sonnerie de la charge ne fonctionnait pas sur des cartes en or? Et j'ai transformé mes propres cartes en or? Mais merde. Nous faisons ce qui doit être fait. Ah tiens, bah il y a des gens qui sont suffisamment courageux ou assez doués pour jouer Scoia'tael. Moi en tout cas je suis pas suffisamment pour Scoia'tael. Putain, j'arrive même plus à lire la fin de la carte parce que j'ai trop décalé ma fenêtre. Retirer deux à la fin. C'est de l'autre côté du jeu. Ok, ça c'est sympathique. Allez, façon. On va tenter de. Ok, c'est moi qui commence. Que le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. Courage, mon amour. D'accord, ouais. Enfin bref, vache, j'aurais dû jouer ça avant. Malcolm ! Ma vie va rester, ça va faire chier. Ta carcasse ira à Morog. Bien, bien. Je te promets une mort rapide. J'aurais dû taper sur l'autre, je sais, mais bon. Tu veux tâter de ma hache? On doit s'entraider. Faire ça, non. Je vais tuer elle. Nous servons celle qui est la Vierge, la Mère et la Moire. Clairement pas ma soirée. Hein. J'ai beaucoup mieux joué cet après-midi. On t'a déjà pété les rotules. Merde. On t'a déjà pété les rotules. Tout va bien ?
plus tu me charmes. Ça, j'en ai besoin pour un convoi. Tout Doin qui entre en terre elfique est puni de mort. Pour Skellige! Que Freya choisisse le vainqueur. Ah, je hais les portails. Ankret ! Et voilà. Ah, ça va mieux avec, avec Skellige. Et voilà. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà le niveau 4. Wouhou. Tout ça pour ça. Oui, bonjour, vous avez atteint le niveau 4, on vous file une manticore. Non mais merde, vous pouviez pas me filer autre chose. Là je sais pas si je peux pas la décrire. J'avais un doublon. Yard va tirer 5 à la force de celui-ci. Espionne si tu es d'un côté de... ou de l'autre. Si celle-ci est détruite, ajoutez 4. Mais c'est pété! Je peux même faire les deux. Après. C'est pas forcément dans l'intérêt de l'optique du deck que je voulais faire, mais ça peut toujours être cool. Attends, ça contre les monstres. Fausse Ciri, trop bien. Ils ont fait la carte Fausse Ciri sans blague. T'as 200. Ouais. Je regarde un peu le nom des personnages. Ça fait combien de temps, 1h46? Bah écoutez, on va finir à 23 du coup, hein, vu qu'il n'y a pas grand monde. On va refaire quelques games jusqu'à 23. Prendre un coup Nilgard. Faire Nilgard jusqu'à 23.
ambassadeurs, les guetteurs, je les garde. Est-ce que j'ai des trucs pour moi ? Les chimistes, tout ça. Je vais bien. Hey, yeah ! Ça va cartonner un petit peu, tout ça. Le printemps, c'est ma saison préférée. Continuez suivant le plan. Ta main ne m'intéresse en aucun cas. Absolument pas. Je ne veux pas avoir ta main. Alors. Sérieusement ? Moi je la prends, écoute. Hein. Tu me la donnes, je la prends. Qu'est-ce qu'on va envoyer du coup? Serbe, est-ce que je pourrais avoir un espion? Ouf, c'est pas plus mal. Non, pas tout de suite. Serbe. Bonjour, c'est à quel sujet? J'en aurai fini avec toi, il ne restera rien à ramasser. Putain, Yennefer, vas-y, ouais. Tranquille. Vous vous méprenez. Je ne suis pas mage, pas du tout. C'est le genre de truc qui une carte en or. Ah, et puis il va gagner à chaque fois avec cette connerie. Ah. Hell Erzer. La patience n'est pas une de mes vertus. C'est exactement ce que j'espérais. Je te promets une mort rapide. Érigloire. Me casse pas les pieds. Votre cœur est celui d'un Ankret. Gloire en Kerzer. La mer est généreuse. Des dernières paroles.
Qu'ils viennent donc. On fera pleuvoir feu et acier en leur honneur. Diable Ep Ars. Bien le bonjour. Un coup d'œil à nos articles. Sage décision. C'est dommage. Pas grand chose, hein, t'avais pensé de nous. Va dire Nilfgaard, c'est fort. Comment ça, c'est des bâtards, Nilfgaard? Absolument pas. Pas lui. Vous sortez cette information. Vraiment pas l'habitude de stream, hein. Deux émissaires, c'est cool. Deux, c'est parfait. Du coup, on va jouer sur la pression. Exercée par... Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Ça me fait chier. ça foire toute ma stratégie. Je suis deg. Mais vraiment, hein, t'es là, tu fais mais pourquoi? Pourquoi? Mais ma stratégie était bien pourtant. Enfin, elle me semblait bien. Maintenant, fuck you. Clairement, fuck you. Bah écoute, je t'ordonne. Dommage que je sois trop occupé. Ils peuvent se cacher, mais pas m'échapper. Moi, tu me trouves. C'est pas grave. Burak. Je veux une incinération à tous les coups. Donc elle n'est pas en main. Là, pour le coup, on n'est pas parti sur la stratégie habituelle de mater
Je ne rate jamais. Mettez la main de l'adversaire. Érigloire. Pour le coup, le pouvoir d'Émir, il me sert à rien. Hein. Parce que là, vu la stratégie sur laquelle on est parti, ça va être chaud, quoi. Bon, on a la première manche, mais à la deuxième, je sais pas trop comment je vais la gérer. On va déjà ramener. Si on vous demande, vous ne m'avez pas vu. Ça aurait été mieux qu'on ait le médecin de Vicovaro. Ça nous aurait permis de ramener le deuxième. Deuxième espion qui est dans le cimetière adverse. Bon allez. Ça joue pas des masses en face. Hein. Ça joue pas. Groto dum anima est, spes est. El Erzer. J'ai oublié l'incinération, c'est ce truc-là qui est parti. C'est chaud. Nous faisons ce qui doit être fait. J'ai envie de récupérer une incinération. Ou pas. Histoire de me fumer mon médecin de Vicovaro à 14. Ce qui lui permettrait de reprendre l'avantage. La grande question. On va voir ce que ça donne. Ce serait bien qu'il se manie un peu le fion quand même. C'est quoi ces joueurs qui mettent 100 ans? Après, c'est vrai qu'il faut un minimum de réflexion, mais quand même. Après. Du coup, nous on va mettre. Gloire en Kerzer! Qui est protégé du coup par le médecin de Vicovaro. Tranquillou. Malcolm! D'accord. Donc celui-là, si il gagne, s'il gagne, ça restera sur le terrain. On se fera une petite sonnerie de la charge au KLM. Pour ma cam. Ouais, ça loupe trop de force. Petite sonnerie de la charge là. Bon, le médecin de Vicovaro, il devient dangereux quand même. Hein. À la base, c'est quand même une carte à deux. Oh putain, le bâtard. Tiens,
Tu retombes à 15, ça sera plus jouable. Les cartes que j'ai, ça sera plus jouable. Faudrait que je regarde ce qu'il a dans sa main quand même. J'aurais peut-être dû le faire avant. Hein. Bon allez. Tu tires ou tu pointes? On t'a déjà pété les rotules. La patience n'est pas une de mes vertus. D'accord. 8, donc déjà 16, donc il peut monter à 36. Sachant que je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc là, il a déjà 16, j'ai 22. Sachant qu'avec ça, il va sans doute appeler un truc. Ben, je vais lui donner la manche. Hein. Je vais le laisser jouer là. Il fait quoi celui-là? Ça peut faire se le dégager quand même. Allez, fais se le dégager. Oh. Petit joueur. De toute façon, je vais te la donner la manche. Hein. Vas-y, tu peux le poser. Oh, tu veux le match. Parmélite. Je te la donne. Hein. Celle-là, elle est gratuite. Hein. Après, je sais pas ce qu'il a derrière. Mais il lui faudra un truc qui a plus de 6. Pour l'instant. Allez, on va voir ce que je vais piocher aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui reste. Oh putain, je l'avais oublié ce truc-là. Bon, ben, on va garder celle-là. Hein. Ça nous fera 18, 30. 30 et il monte à 26. Ça sera jouable pour lui, mais bon, on tente. Hein. Voilà, une vache. Nous, on va pas prendre de risque, on va poser ça déjà. Des dernières paroles. On sait qu'il peut pas nous attaquer. 13 et 16, il monte à 29. Des doïnes. Bien sûr, monseigneur. Je sais pas ce que c'est sa carte cachée là. Mort aux doïnes. Ça me fait peur. Parce que. Voilà, là. Ça se joue à 1, ça se joue à sa dernière carte. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, forcément un truc qui augmente en plus la puissance. Ah dommage, tant pis. Bon, ça fait quand même une manche. 5 fragments, ouais. Je suis à 60 minerais. Bon, bon. Alors, bon, on va repartir un coup à Skellige. Ça va pas faire de mal. Choup. Votenvult, hein, guys. Votenvult. Ested, il s'est créé à ça. Pour la gloire de Skellige! Alors. Ce serait bien que mes cartes s'affichent. Hello! Are you broken? Ok, d'accord. Ok. C'est beau. C'est très très beau. Bon bah on repart. Hein. Les mecs, non mais sans déconner, non mais... Les gars qui abandonnent avant même de voir commencer, quoi. C'est n'importe quoi. Votre cœur est celui d'un Ankret. Oh, ça va faire Ankret comme ça. Pour la gloire de Skellige! Et Votenvult! Bon, allez. Ah,
côté machin, ouais. Celui-là, je le garde, celui-ci, je le renvoie. On peut le garder pour le mettre en combo avec celui-ci. Il y en a trop des comme ça. Et ça, j'en ai pas besoin d'autant. Alors. On n'a pas la petite vache habituelle. Bon, bah, du coup, on va juste faire péter. Hop. Avengers, rassemblement. Nous servons celle qui est la Vierge, oh, putain, la Mère et la Moi. C'est useless. J'ai rien à ressusciter, c'est la première manche. Beau, c'est putain. C'est super. Bah vas-y. Le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. C'est... Ce jeu, quoi. Ah là là, Votanvult, hein. Ça... Votanvult, hein. Qui squatte, là. Allez. Qu'ils viennent donc. On fera pleuvoir feu et acier en leur honneur. Allez, les cocos. Voilà, comme ça, on se fait une petite égalité des familles. Ta carcasse ira à Morrogg. Non, mais ça, ça compte pas. Non, mais sans déconner, les gars. Ta carcasse ira à Morrogg. Non, c'est l'autre que j'aurais mieux fait de taper, mais bon, ça revient bien. Par l'âge d'Emdol. Ok. Moquer. Eh, j'ai toujours ce connard à 6 en fait. Ça m'emmerde. Quoi? Tu veux que j'en fasse un tisonnier? C'est l'histoire du petit tisonnier qui brûle. Allez, t'as perdu ton pari. Faut payer maintenant. Meilleur ami, l'anus d'un prisonnier politique. Merci Bing the Sun, point culture sur la torture. Donc on a quoi, il y a un truc à neuf là-bas. Ça vaut pas le coup de le faire sauter. Bon, après sinon on a vraiment pour faire utiliser ça et puis ça, mais... Comme ça. Bon, bah, votre cœur est celui d'un Ankret. Ça me permet de revenir un petit peu à égalité, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible tout ça. Ça me fait utiliser une masse de cartes. Bon, allez José, tu joues. Tu tires ou tu pointes? Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah, ouais. C'est mieux. Bah, pourquoi pas, après tout. Ah, Saligo. Saligo, le Saligo. Il a toujours son pouvoir là pour faire venir deux oiseaux comme ça là. Me casse pas les pieds. Un poil chier. Yeah, ça
c'est cool. Ça, par contre, c'est le bien. C'est le bien, c'est le bien. Bon, alors, on va commencer par gicler tes deux trucs, parce que sinon, je sais que tu vas me foutre un truc de style de ce genre-là. Voilà. Oyez, oyez, prêtez oreille. Moi, je vais jouer. Maudron Freya est patiente, mais elle ne tolère pas les affronts. Voilà. Du coup, il va sans doute passer celle-ci, non ? Ah non, il me fait une incinération. Pour Scalige ! Ouais, pour Scalige et Votanvult. Ok. Bon. Je sais pas ce que j'aurai en main là, ça va être terrible avec ce truc là. Oh putain. Alors s'il a pas de créature non plus, on est bien. Je pense qu'il va avoir un Gus. Nous te suivrons voilà, jusqu'en enfer. Cool. Merci, au revoir quoi. Votanvult, toi, c'est pas tard. Hein. C'est beau. C'est beau. Je suis deg. Ah là là. Bon, c'est bien, ça me permet d'avoir les 8 manches et du coup de récupérer une récompense. C'est pas mal. 15 000 restes, c'est cool. Alors, 72, ouais. Ok. Et il m'en manque encore 25 avant de pouvoir racheter un petit booster. Ou calme. Ce qui est déjà un tranquille au calme. Hop. Hop là. Serrez les rangs. Oh. Ancret. Alors déjà, ça c'est un trop. Ça c'est un trop. La vache, c'est cool. La prêtresse, ça va être bien. Ça c'est cool aussi. J'ai deux dragueurs. Ah, je vais virer un truc comme ça. Ah, ça c'est cool. C'est cool. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il va me jouer. Pour Kedwin! Ah, c'est le truc qui passe en doré après, ouais. Ça. S'il veut. Franchement, s'il veut. Moi, ça me dérange pas. Je vais jouer ma vache. Parce que voilà, c'est classe la vache. C'est au calme. Alors, ici, il m'a dégommé mon machin. Non, ça me zigouillerait mon truc. Alors, si on va faire ça, pop. Allez, rassemblement. Il faut que je joue ce truc-là aussi. Sauf s'il passe. Et là, ça me ferait chier. Il va faire bien mon filon. Enfin, mon chart. Vous devez suer comme un porc avec cette veste. Parce que dans la version carte. M'obligez pas à jouer de la hache. Je crois que c'était le filon, il me semble. Mais je suis pas sûr. Comme ça, toi, tu tonnerre d'Alzur, oui, pourquoi pas, quoi, c'est magique. Bah écoute.
D'accord. Tranquillement, on va poser tranquille son drakkar en bord de... tu peux mettre fin à ton tour si tu veux, ça m'arrangerait. Comme ça, moi derrière, je renvoie la sauce. Je perdrai 3, il perdrait 6. Ah, sauf qu'il en a eu dans l'or, du coup il perdrait 4. 4 et je perdrais 3. Ouais. Toujours aussi avantageux. Enfin, sauf si du coup ça. Je sais pas ce que ça fait, ça le fait passer du coup, ça lui fait quoi. J'avais jamais vu que le truc noir arrive au bout. Ah, ça lui fait se défausser d'une carte, d'accord. Ouais, mais le problème c'est que moi du coup je sais pas quoi faire maintenant. Moi j'aurais fait passer quoi, ça, j'aurais mis ça beaucoup plus punitif quoi. Histoire d'élargir un peu. Comme ça je bute son machin et puis j'augmente la puissance aussi, ça va. J'ai pas l'impression qu'il joue énormément là du coup lui. Oula, non, je sais pas, mais parce que ça va faire la deuxième fois que le tour, son tour de jeu arrive au bout. Donc ça va le faire encore se défausser d'une carte. Ce qui est pas pratique du coup pour moi parce que je peux pas établir de stratégie. C'est... Non, on va passer hein. Au pire c'est pas grave parce que ça lui fera vraiment booster toutes ses cartes quoi. C'est ultra chelou. Puis plus ça va, bon il a de temps pour jouer. C'était 20, 25, après ça passe à 15. Puis là ça passe à 10. C'est vachement punitif quand même. Enfin, ça aurait été encore plus punitif, je pense, de le faire carrément passer son tour. Là, clairement, avec ce qui vient de partir, je sais pas s'il pourra remonter cette manche-là. Et la manche d'après, c'est quasiment infaisable, quoi. C'est... Là, ça va le faire se défausser de toutes ses cartes. Mais voilà, il y a une carte de 12 qui vient de passer. Clairement, là, il pourra pas remonter. C'est fini pour lui. C'est... Enfin, c'est un peu dommage, quoi. C'est... Tu vois ça, tu te dis, bon ben, c'est comme si le mec il avait abandonné avant même d'avoir commencé à jouer, comme il y a eu tout à l'heure, quoi. Tu te dis, ben, ouais, d'accord, mais bon, c'est pas terrible, quoi. C'est pas la victoire glorieuse, tout ça, donc... c'est pas terrible, c'est... Maintenant, il y a plus qu'à attendre, de toute façon, là, maintenant, ça a passé son tour, puisqu'il peut plus rien faire. À moins que ça utilise son pouvoir de chef, mais je pense pas. Ouais non, ça passe, du coup voilà, à passer, je remporte la manche, début de la deuxième manche, ça va être, si ça fait pareil, de toute façon, il va pas avoir des bases de cartes en main, puis on va pouvoir retenir un moment avant que le... Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. C'est catastrophique, quoi, c'est... Ouais, bah voilà quoi, c'est... Je peux même pas le féliciter parce que bon, bah voilà, hein, c'est... C'est comme s'il avait pas joué, hein. Et du coup, c'est cool parce que j'ai pu avoir ma dixième manche, pile poil. J'ai quand même des points de performance avec victoire, donc... Du coup, je me rapproche des gens tranquillou...
Oh là là. Ça va faire 2h30 de stream, c'est pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter vers minuit, puis ça ira bien. Tranquillou. Alors ça, j'en ai un de trop. La vache, ouais. Un combo, ouais. Non, bah c'est bien. Un peu tout ça. Alors, c'est moi qui commence. Hop. Tuir, sir! Oh les monstres, j'ai horreur de ce deck. C'est vraiment une horreur ce deck. Éliminateur de temps. Pour Bran! On va flinguer le... Tu veux quoi? On va mettre la vache, quand même. Avant. À moins qu'il give tout de suite. Voilà, la bonne vieille vache des familles. Je te promets une mort rapide. Aïe aïe aïe. Et le Vontan Vult là. Oh putain, et puis je nique mon machin quoi, l'enfoiré. Oh le bâtard. Je pourrais refaire venir la vache, mais c'est pas terrible. Au pire, je pourrais faire revenir lui au tour d'après. Si jamais vraiment je suis dans la merde, je pourrais faire ça aussi. Vu qu'il a eu qu'une carte dorée, il prendrait 8, perdrait 8 points. Ah putain, ça j'ai horreur de ce truc. Forcément, j'ai pas de carte soleil. Ah putain, je flingue mes trucs en fait. C'est pas la bonne stratégie, coco. Ouais, là, ça me fait des deux, c'est pas terrible. Hein. Bon bah on va lui laisser ça hein. Je te la laisse celle-là Coco. Bang. Bah il voudrait passer là normalement. De toute façon lui il va y avoir une connerie qui va rester. J'ai vraiment horreur des monstres. Ouais putain c'est les golems et tout ça. Qu'est-ce que je fasse avec ces trucs là quoi, ça va. Je veux bien, c'est gentil, mais... de flinguer à peu près tout là, diminuer bien comme il faut ses stats tant que ça touche les miennes. Maudron Freya est patiente, mais elle ne tolère pas les affronts. Tu veux quoi? On essaie d'affaiblir tout ça au max. Pour la gloire de Skellige! Et Votan Vult!
Allez, finissons-en. Allez, t'as perdu ton pari. Faut payer maintenant. T'as perdu ton pari, faut payer maintenant. Ouais. Oh putain. Ouais. Là, il a un autre... La vache. Là, je savais pas qu'il y avait... Ah putain, il a eu de la chance. Il a eu un autre... Ah la vache. Dagon, quoi. J'ai aucune chance, quoi, contre un grand ancien... Ça va me faire des deux. Ça fait superbe. 45, non, mais là je peux pas. J'ai perdu. C'est beau, j'ai perdu. Merci, au revoir. C'est beau, c'est. Aïe 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 aïe. C'est la merde. On va le féliciter quand même. Hop. J'ai rien pris. J'ai juste fait une performance plutôt médiocre. Par contre, si je gagne le prochain, je risque de passer dans le niveau encore. C'est cool. Que le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. C'est parfait, c'était ce que je voulais. Bon, après, je peux plus rien faire contre le brouillard. Du coup, s'il me joue au brouillard, je suis dans la merde. Mais ça, c'est pas grave. On va faire avec. Hein. On fera avec hein, si on fait un coup de brouillard. J'en ai pas. Quoi ? Tu veux que j'en fasse un tisonnier ? Petit tisonnier brûlant s'en va rendre visite à son ami, l'anus d'un prisonnier politique. Faut que j'arrête avec ce truc-là. Allez, finissons-en. Gérald Deterly. Je te promets une mort rapide. C'est vrai que ce truc-là, je l'avais zappé. Hein. On va peut-être le laisser claquer ses cartes. Hein. Claquer une ou deux cartes. La carte la plus puissante, c'est celle-là, c'est avec 7.
pas de mal. Par contre, c'est mieux avec 8. 2 et 8 en plus. Mais bon. C'est pas grave. Deuxième manche. Je vais avoir le machin et voilà. J'ai les cartes qui gagnent en puissance au fur et à mesure. Ah, j'ai pas le droit d'en changer une. Oui. Oh. Comme disait mon ancêtre Varg Vikernes, kill it with fire. Varg Vikernes. Les dernières paroles. Moi aussi, je peux que Freya choisisse le vainqueur. C'est le jour de votre mort. Ce que tu viens de faire, ça m'arrange limite. Nous servons celle qui est la Vierge, la Mère et la Moire. Que le Kraken me les croque, j'en crois pas mes yeux. Hop. Égalité. Ouais, mais là, il m'a fait encore quelques dégâts. Top. Et tiens. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire là, hein, hein? Tu vas me mettre un Gérald de Rive? Ah, c'est, ils sont ok, je prends 4. Ouais, je prends même plus, mais. Bon, techniquement, il va. Ah, il joue quand même là-dessus. Je pense pas qu'il puisse. Hein. Par sécurité. Qu'ils viennent donc. On fera pleuvoir feu et acier en leur honneur. On s'assure le truc parce que s'il a une carte pétée. Voilà. Last round. Tu y sais. Comme ça, si vous lui infligez le dommage là-dessus, y'a pas de soucis. Ancrète. C'est dommage, ça suffisait pas. Et puis de toute façon, j'en rajoute une couche. Et voilà. Yeah. Techniquement, je passe d'un level. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 5 fragments, ok. Hop, je passe à 12, je suis à la moitié, c'est cool. 15 minerais, normalement, ça devrait être bon. Hop, et je passe level 5. Pam, 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 pam. Et je gagne un baril, parfait. Il me manque 5. Bon, on va essayer de récupérer les 5 derniers minerais dans une dernière partie. De toute façon, il est pas encore minuit. On a encore un petit peu de temps. Youp. Alors, je peux tuer. Alors, ça, je n'ai pas besoin de temps, ça non plus. Si on pouvait avoir à la place, hein. Ah merde, pas eu. Je voulais l'incendie. C'est moi qui commence. M'obligez pas à jouer de la hache. Il y a beaucoup de gens qui jouent monstre quand même. Après, j'ai pas regardé sur le nombre de parties qu'on a fait ce soir.
combien de gens jouaient le monstre, mais il y en a un sacré paquet, je pense. Oh, oh, du brouillard, super, des brumes, ouais. Quoi ? Tu veux que j'en fasse un tisonnier ? Je renforce ma vache. Histoire qu'elle résiste ce tour-ci, qu'elle arrive, et que le truc qui meurt quand elle meurt arrive, le chart là, ne se pointe qu'après. Ça serait cool. Allez, t'as perdu ton pari. Faut payer maintenant. Bon, au moins la vache maintenant elle est intouchable. Ils peuvent plus la buter, ça c'est. On est tranquille là-dessus. Ou alors il faut qu'ils y aillent vraiment comme des bourrins. Hein. Vas-y, Geralt. Ah, je hais les portails. T'es pas le seul, mon pauvre. Moi aussi, j'aime pas les portails. Tu vas mourir, vermisseau. Du moment que c'est pas autre chose. Nous te suivrons jusqu'en enfer. Pas passer ton tour. Voilà. C'est bien, Coco. Donc, je vais avoir la vache qui va revenir. Au machin. Lui, il va avoir le golem qui va donner 3 élémentaires. Ou 2 golems inférieurs. 2 golems inférieurs, et puis il y a Iridium qui reste, forcément. Sérieusement. Tu veux que je fasse avec ces trucs là, quoi, rassemblement. Ta carcasse ira à Morog. J'aurais pu taper aussi dans mon chart histoire de faire le level up un petit peu avec ça. Prosternez-vous devant Maudron Freya. Alors, où est-ce qu'il est le coco ? Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. Ah, c'est sûr, le raid, c'est cool. Qui n'aime pas partir en raid ? Pour Skellige ! On va mettre le paquet, je sais pas si ça va passer, mais... Allez, celle-ci, on laisse, on tente... On va tenter autrement. Je veux pas utiliser mes deux mon pouvoir héroïque là-dessus. Dernière manche. On va voir ce que ça donne. Ah, il reste un brume noir. Qui décède tout de suite parce qu'il n'y a pas de brume, c'est super. Un dracard léger, ouais. On va commencer par. On commencera par jouer le dracard. Parce que s'il m'attaque. Trop con, je prends un suicide.
m'obligez pas à jouer de la hache. Personne ne s'échappera. Et c'est mon seul espoir. Mais bon, je sais pas trop ce qu'il a comme carte, une carte qui pousse, un truc qui lui enlève, je sais pas. Toute résistance est inutile. Ouais, non, ça suffisait pas à brûler du coup. Dommage, GG. C'était beau. C'était beau, c'était beau. C'était tendu. Et voilà, on a les 5 fragments, c'est cool, on va pouvoir aller chercher un booster supplémentaire. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, je pense, même si j'avais dit minuit. On va peut-être se quitter un peu plus tôt finalement. Oh là là. Alors, échoppe. Cartagouent. Boutique. On n'avait pas déjà 95? Ah, c'est des fragments à tous les coups que j'ai récupéré, je pensais. Bon. Tant pis, on va juste ouvrir le baril du coup. Alors, une commune du Royaume du Nord, une commune de Midgard, une commune de Skeletal, et ça, ça va être une dorée, je crois. Bien. Je sais pas si c'est une dorée ou une argent, ou enfin une or, ou comme on doit distribuer, c'est cool aussi. Bien. Génial militaire, la tribute de la cité, c'est pas terrible, c'est pas mon cœur. Alors, embuscade, pas une pierre sur la ville, sur la ligne, rester, naturel 4, attention. Zépique! Et Jaskier, qui ajoute 2 cartes, 2 points à la force de chaque unité jouée de notre côté, aucun effet sur les unités qui est là. Encore plus! C'est pas mal. Et maintenant, on peut choisir. L'équipe détruisit une carte située de votre côté et absorber sa force, ça m'intéresse pas. Tous les 3 tours, retirez 2 à la force d'une unité aléatoire située du côté adverse. C'est sympathique. Et ajoutez 2 à la force de tous les autres unités sur la ligne. Ça c'est cool. Donc on va prendre le scal. Voilà. Et on retourne à l'échoppe. Beaucoup Barilib. Ripou. Et donc c'est là-dessus, tranquillou, qu'on va se quitter, un petit peu avant du coup, je suis désolé, mais je commence un poil à fatiguer, mais après j'ai pas l'habitude, je sais pas depuis combien de temps je stream là, je stream depuis 2h47, j'ai pas l'habitude donc, ouais, une petite dernière, avec Nilfgaard, on commence avec Nilfgaard, on finit avec Nilfgaard. En plus, j'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de monde qui était arrivé sur les spectres. Donc, à la vôtre, les gars. Les dernières paroles. Pour la dernière partie. Putain, ouais, en fait, monstre. Le Nord courbera les chines et implorera ma pitié. C'est un peu dommage, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Ça, on va le garder, c'est cool. On va renvoyer Frigila. C'est les arbalétriers. La porte alchimiste, c'est cool. Et le porte-étendard. Voilà. Ça me paraît pas trop mal au niveau des choix effectués.
on va voir ce que ça donne après. C'est pas optimal pour le... parce que la façon dont à laquelle je joue, mais on va voir ce que ça va donner. Alors, on va commencer avec une petite ouverture comme ça sympathique quand il aura joué. Parce que j'ai encore cru que c'était mon tour. J'ai trop l'habitude de jouer en premier. Ah, j'ai deux guetteurs, ça c'est cool, franchement. Loué soit le grand soleil. Pop. Ah, ça révèle une carte dans ma main. Ah, de maman. Ouais, mais bon, au final, ça donne du power aussi à mes. Donc c'est pas plus mal. Ensuite, on va jouer. Ça. Vous vous méprenez. Je ne suis pas mage, pas du tout. Après, on enlèvera ce. Ce truc-là. On le laisse miroiter avec son joli. Et on va lui faire sauter après son brouillard. Il va pas rester longtemps. En espérant qu'il me le fasse pas sauter mon machine, mais de toute façon il a fait son taf. Y a pas de souci là-dessus. C'est pas ton jour de chance. Hop. C'est le dégager. Hop. Au revoir les gommelins. Hop. On va regarder ça. Il n'y a qu'un châtiment pour les traîtres. Puissance des guetteurs. Pas trop, merci. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Ça nous fait passer à 30. C'est pas ton jour de chance. Passe. Ah, moi ça m'oblige à jouer une carte. Voilà, bon bref. Trois, ça m'oblige même à jouer une deuxième, j'étais con ce coup-là. Pourquoi je l'ai pas. Enfin, je suis débile. Enfin, il va avoir un petit avantage, tant pis. J'ai joué comme de la merde, ça change pas du tout à l'heure. Ah, et puis ça fasse fondu, parce que c'est. On va renvoyer ça pour essayer d'avoir. Pas ce que je voulais, mais c'est bien aussi. Dommage que je sois trop occupé. À votre service. C'est gay, not even. Qu'est-ce qu'on va ressusciter comme ça? Aegroto dum anima est, spes est. Bonjour, c'est à quel sujet? Il veut pas l'utiliser parce qu'il y a ça, quoi. C'est... Moi, ça me fait chier, ça fait que je suis obligé de poser une carte. Et il va me fumer avec ça, il va me fumer deux, quoi.
ça va me faire chier. Voilà, ça il va en fumer deux, il s'en fout le cul. C'était pas faisable. La vieille fort dégueulasse. Bon bah tant pis. C'est là-dessus que ça va finir quoi. Et il va pouvoir jouer derrière son Eredine et son machin et mettre une tollée pas possible. Allez. Est-ce que ton Eredine quand c'est tout un joli pastis. Il va jouer derrière l'autre histoire de. Non. Oh. Je pensais qu'il m'enlèvera des points. Mais c'est bien, il a fini sur un pastis. Il a fini sur un pastis. C'est bien. Et 5 minerais, du coup, je pense que c'est bon. Donc on peut les avoir. Et 100, top. Ouais, je les ai. Du coup, échappe. Top, on va acheter le dernier. Il faut pour la fin. Avoir bon baril. Vrai ridicule. Et choupe vouloir voir quel beau truc. Vas-y, dedans. Vas-y, troll. Pète-moi ce baril. Tada! Que des communes, alors ce qu'elle wow. Est. Oh. Du Nord, commandant distribué, ça c'est cool. Bien. Et est-ce que wow. Et au niveau. Plus. Chaque fois que j'en utilise ces cartes de chef, je fais 4 à la même. Ouais, c'est cool. Client, toujours raison. Il y a des cartes à l'écran. On va voir si je pourrais recrafter les brigadiers. J'ai rien et puis j'ai que 25 donc ça risque d'être chaud. Pour crafter les brigadiers. Ça il m'en faut 5. Ils sont où ceux-là? Voilà. Ah il en faut 80 quand même. Ouais. Bon bah tant pis. Hop. C'est donc là-dessus, messieurs, dames, qu'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir des règles de TCG en tout genre. Et donc voilà. Allez, à ciao, à plus.